Robert Schuman, le père fondateur de la construction européenne, celui dont on sait désormais, depuis que les documents secrets défense du département d'État américain ont été déclassifiés à l'été 2000, donc on sait que c'était un agent des services américains. C'est lui à qui est attribuée la fameuse déclaration Schuman de 1950. On sait également que cette déclaration a été rédigée dans les services de Dean Acheson, le secrétaire d'État américain de Truman à la fin des années 50 et transmis à Robert Schuman par Jean Monnet. Walter Hallstein a été le premier président de la Commission européenne de 1958 à 1967. Mais c'est un homme qui a une longue histoire. Walter Hallstein est né au début du XXe siècle. C'était un juriste allemand, un juriste nazi, qui a d'ailleurs été professeur et doyen à l'université de Rostock en 1936, après avoir montré patte blanche à toutes les autorités nazies. En 1938, lorsque Hitler s'est rendu en Italie, il est tombé d'accord avec Mussolini pour bâtir un projet de nouvelle Europe, Das Neue Europa, comme on dit en allemand. Au mois de juin 1938, Adolf Hitler a demandé à Walter Hallstein de préparer le projet de construction européenne. Ce projet d'ailleurs, cette nouvelle Europe qui a été vendue aux Français sous l'occupation et qui avait motivé notamment la grande exposition sur la France européenne et qui a eu lieu en 1941 à Paris au Grand Palais, inaugurée par le représentant de Pétain d'un côté, par les autorités d'occupation nazie de l'autre côté. Walter Hallstein a été arrêté, il était officier nazi, il a été arrêté à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après la bataille de Cherbourg. Et puis il a été repris et recyclé par les autorités américaines. En 1951, on le trouve dans l'entourage immédiat de Konrad Adenauer. Il devient d'ailleurs le secrétaire d'État aux affaires étrangères du gouvernement de Konrad Adenauer en Allemagne. C'est lui qui va préparer le projet de Nouvelle Europe, la Nouvelle Europe, à partir des plans qu'il avait préparés pour Hitler et Mussolini. C'est ce qui va donner le traité de Rome. Traité de Rome qu'il signera d'ailleurs le 25 mars 1957 à côté du chancelier d'Allemagne, Konrad Adenauer. Walter Hallstein a ensuite été le promoteur du plan Hallstein en 1965 qui prévoyait une Europe fédérale. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe en ce moment. Et c'est justement ce plan Hallstein qui avait motivé Charles de Gaulle lorsque Charles de Gaulle avait dit stop, avait décidé de ne plus envoyer aucun représentant à la Commission européenne à Bruxelles, pratiquant ainsi la politique de la chaise vide. Parce que le président de la République française, le fondateur de la France libre, Charles de Gaulle, savait très bien à quoi s'en tenir sur Walter Hallstein, un nazi recyclé par les Américains pour détruire les nations d'Europe et les placer sous l'autorité d'un empire dictatorial.